mauvaise chance pour trouver un bon conseiller. L'argent à clo pas qu'à comparer ça. Yon conseil, yon bon conseiller, vin tande. Oh, salut, c'est un colonie qui vient porter parole le vient dans 1 Timothée et 2 Timothée. Côté but sujet, c'est les deux épîtres de Timothée ou épître pastoral. But sujet encore, c'est les deux épîtres de Timothée ou épître pastoral. On prie pour nous capable commencer vidéo ça. Rédempteur adorable Shaddai, dans moment ça, je vous remercie encore une fois pour l'opportunité que vous pour nous capable porter parole de vie dans 1er et 2 Timothée. Et maman dou pour capable voir Saint-Esprit pour parler à système moi pour capable bailler peuple en le juste et moi même tout pour capable trouver pour nan moi moi pour comme ça c'est pas parce que moi bon il dit mais c'est pas mérite petit ou Yeshua qui vitera dans tous les siècles des siècles amen. Donc au salut, c'est encore moi même Loni qui vient porter parole le vient dans 2 épîtres Timothée qui c'est premier et deuxième. Côté but sujet c'est les épîtres de Timothée ou épîtres pastorales. Donc nous dit épître c'est lettre. Donc, pour qui ça, on dit que c'est épître pastoral, parce que c'est des conseils comment pour être capable de diriger et des mouns, ça veut dire que des bergers, comment Timothée, qui était responsable de l'église, a montré comment pour être capable de conduire à l'égard de et mouns que l'a conduit, qui c'est des troupeaux. Et donc, on dit qu'il est ce qui était Timothée, nous dit encore Timothée, c'était Youn qui était appelé marcher avec l'apôtre Paul. Nous voyons que dans l'épître. Avant yo, nous te voyons que Timothée avec Sylvain, c'était bras droit li. Mais qu'on y a là, on a pas que côté le rencontre avec Timothée. Nous dit Timothée, c'est un petit jeune qui était dans la zone l'Islan et qui était tout près Macédoine. Et donc, ça veut dire que c'est monsieur ça, tout que il était quitté à Éphèse pour être capable de chaperonner groupe moun Éphèse. Yo. Parce que lui-même n'est pas capable de rester dans une position stagnante et comme si en position fixe. Donc, il était obligé de bouger. Donc, c'est Timothée qui était là comme. Un pionnier pour être capable de gérer le monde dans Éphèse. Donc, il nous dit encore que il y aurait les épîtres qui sont des lettres pastorales, parce que c'est des conseils que Paul t'a bâti Timothée par rapport à l'église, comment l'église a dû comporter, tout ça. Donc, on dit que épîtres, non seulement il y a des épîtres pastorales, quand il a bâti Timothée et façon pour être capable de gérer l'église, il y aurait une série de monde tout. Qui relaient épîtres ça yo des épîtres ceux d'épigraphe et ça ceux d'épigraphe veut dire ça veut moi mettez sous vidéo hein, c'est un texte que yo attribué à un auteur qui parle là-dedans. Pour qui ça? C'est parce que nous voyons que gon paquet de foi et gon paquet de bagarre cap dit yo trouver que bagarre yo comme si gen trop bagarre là-dedans, donc gen moun qui voulait dire ah c'est pas Paul qui écrit, c'est pas tel bagarre. Donc nous dit toujours gen genre de bagarre ça yo, mais toutefois et qui ça qui gagne pour Paul Pataka écrit ça et leur juste. Donc on dit que et parce que probablement était capable de trouver que explication était trop pléthorique, et qui ça veut dire une explication pléthorique, ça veut dire que yon baga qui gagne tellement de contenu la donne et qui pas succincte, qui pas comme si condensé, mais qui comme si en pile baga capable accumuler qui capable faire monde perdu loin de là. Moi ouais que bon son épître qui très clair leur juste. Donc nous voit que dans lettre ça que Paul t'a écrit et Timothée, il t'a profité à bâtir Timothée des conseils personnels et comment et pour capable comporter étant que berger et qui attitude pour adopter parmi faux frères yo des monde qui pas un bon sens qui t'a voulu infiltrer et mauvais bagarre, mauvais tendance, mauvais doctrine dans le ministère li. Et il t'a profité aussi occasion pour être capable dit Timothée comment pour capable prier qui attitude que on femme qui posait gagner dans l'église, critère pour un évêque capable gagner qui gens pour le faire avec un faux docteur qui attitude tu penser de monde qui soit dit entre parenthèses veuve t'a va gagner. Donc c'est ça qui t'a gagné et il t'a profité par là avec lui tout que des monde qui pas dans règlement que lui même il t'a demandé pour capable livrer à Satan. Ça veut dire que là on dit livrer mon à Satan, ça veut dire que vous mettez mon en dehors pour radier, parce que de vous parler dans l'église encore vous avez toute chance pour capable gagner influence monde du dehors, les gens du dehors qui capable faut retourner dans source première ou pour perdre la face devant Jada leur juste. Donc moi ouais, que et Timothée était là pour être capable d'entendre tout ça Paul t'a dit. Et nous dit encore que chapitre premier chapitre dans Timothée il y a 6 chapitres là-dedans, deuxième là lui-même il y a 4 chapitres là-dedans. Ça veut dire que et entre deux chapitres 2 et puis ça et premier Timothée et deuxième Timothée tu vas trouver 10 chapitres là-dedans au complet. Donc n'a dit que et pas oublier que dans Ézéchiel 20 verset 25 Bible d'Arbi il dit je leur ai donné des lois dures. Ézéchiel 20, 25, je leur ai donné des lois dures, les peuple israélien des lois dures, des lois que vous pas capable de supporter, pour
pour caler dada. Et c'est toute bagarre ça, toute révolution ça que Paul te voulait faire par rapport à bagarre, nous dit que c'est un ancien légaliste que et que monsieur était trempé dans la loi. Monsieur, c'est un monde qui était vraiment à défendre doctrine et judaïque, non? Donc il était repoussé doctrine christique là et que n'est capable dire chouïque. Donc et il vient demander mon yo pour capable faire attention avec bagarre ça pour pas plonger trop dans la doctrine mais pour capable quitter. Et nous dit encore pour capable faire en jouvence mentale, ça veut dire que pour le rajeunir mentalement de façon à ce que pour capable tendre ça qui dit. Donc nous voit que li reconnaître que chaque côté le passé ou bien côté li voyer l'autre moun yo et l'évangéliste commence à prêcher puis moun ta va gagner des intrus des moun faux docteurs qui veulent rentrer pour venir semer la pagaille. Li fait connaître que c'est travail l'ennemi hein, mais des pour moun bien enraciné l'ennemi pas capable déraciner parce que Saint-Esprit là. Et donc c'est toute bagarre que Paul t'a va profiter pour la dire bagarre et puis il t'a profité à dire qu'on s'a fait attention avec sacrificateur et mal comme t'a intentionné ça de façon pour l'évangile pas mal parler. Donc là juste. Donc m'a commencé rentrer dans première épître là. Côté première épître de Timothée, c'est Paul qui t'a va à saluer Timothée et comme petite légitime en la foi, parce que c'est un petit monde, un petit jeune que il te prend pour t'a former. Il y a un petit jeune qui était vraiment et voulait connaître l'évangile et qui était vraiment ouvert, n'est-ce pas, et pour capable de comprendre une série de bagailles et il y a un petit jeune qui était capable de distinguer le vrai du faux. Donc c'était Jean de Tijon ça que Timothée était et donc Timothée vraiment t'a fait preuve de reconnaissance envers Paul et puis il a toujours été ferme avec ça que Paul t'a dit et il pas c'est pas une qui était prêt pour t'être capable faire prévarication on dit pour prévarication c'est une transgression de la divine loi et religieuse et mais des obligations morales mais quand même il était voulait rester lui-même pour être capable sortir nous dit encore pour faire une jouvence mentale pour capable rajeunir pour capable rentrer dans le pied et en plein pied dans l'instant pour pas quitter bazar quincaillerie nous dit encore bric-à-brac cap qui de yo faux docteur yo vienne infiltrer mauvais des bagages dans tête lui pour pas et pour ça pas créer une division un schisme un déchirure dans mitan pour pas perturber nouvelle doctrine ça qui c'est doctrine christique là qui dans mitan donc on dit que le t'a salué comme petit parce que c'est père spirituel dit que monsieur il t'a dit comme ça que bon et moi même moi là et bah comme ça m'a regardé moi exhorté parce que moi même moi fin quitter la Macédoine moi engagé pour te rester dans zone Éphésien moi recommandé dans série de bagages pour capable enseigner mon yo de manière à ce que les doctrines qui est malsonnant yo rentrent dans mitan nous pour nous pas attacher nous à des fables à des généalogies sans fin qui produisent des discussions ça veut dire une généalogie là a parlé de ab généalogique ça veut dire famille pour conseiller de monde qui rentrer qui dit oui c'est juif nous c'est descendant de Abraham nous bah comme ça nous sorti dans 12 tribus de Jacob yo c'est Abraham te bah nous la circoncision selon Genèse 19:7 et bah comme ça pas gain l'autre doctrine toute l'autre bagarre c'est sataniste c'est doctrine satanique et ben si vous pas circoncis vous pas casser ceci cela Paul dit Timothée, pas qu'il te prenne un piège ça yo, déraciner ça, fais preuve de bonne conscience ou, qui te prend et qui te Saint-Esprit dirige ou, et tout docteur de la loi ça yo, qui t'a besoin affirmer une série de bagages, il dit ignorer yo, parce que il a fait une série de usages qui pas dans le règlement. Et puis il t'a profité parler encore, il dit comme ça que Timothée, c'est une série de monde qui rebelle, qui méchant, qui impie, c'est des monde qui irréligieux, qui profane, et puis il t'a va appeler continuer mettez-y des noms il était continuer à mettre pour moun sa yo et ben nous dit que il était connait ça le tab dia oui tout à fait il était connait ça le tab dia parce que lui même c'était youn nan juif yo qui t'a persécuté et Yeshua yo et nous songer dans 1 Thessaloniciens dans dans chapitre 3 dans verset 7 là et dans verset 8 là il dit nous n'avons mangé gratuitement bah comme ça et puis il t'a dit que c'est même moun sa yo qui t'a va et qui t'a va tuer Yeshua. Donc et nous encore 1 Thessaloniciens et chapitre 2 dans verset 15 ans, il t'a va dire comme ça que
qui ont et ce sont ces juifs là qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Donc ça veut dire que dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 dans verset 15 et 16, il t'ava abdi et Timothée ah ouais moun sa yo et moun sa yo c'est moun sa yo qui te cause que Yeshua mouri et ça veut dire que il te fait partie de moun sa yo. Ça veut dire que il connaît ça l'abdi. C'est pas de moun qui peut lancer des choses en l'air et de moun qui dit oh oui mais ça qui est arrivé ou en série de monde qui a pu juger qui a pointé du doigt en série de bagailles et qui pas que pas connaît mais ou même qui t'a une chance chuter ou même qui t'a une chance et font titre de yo qui a cherché en série de bagailles qui connaît en série de bagailles là on a parlé fait ouri parce que ou pas qu'a parler en bagarre qu'on pas connaît leur juste mais lui-même ça veut dire que ça que et les mêmes Paul t'a prôné c'était des bagarres authentiques parce que il a une chance pour être capable de faire la différence parce que il a fait de l'expérience leur juste. Donc c'est toute bagarre qui t'ava que t'ava abdi Timothée. Ça veut dire que son chevronné que lié son chevronné lié ça veut dire que il fait expérience son vacciné lié il immunisé parce qu'il prend toute vaccin maladie et bagarre ça yo pas capable atteindre parce que lui immunisé. Donc ça veut dire que la parole avec petit Timothée quand on petite que le gain et lui t'ava dit Timothée fortement moun ça yo résister yo faux docteur ça yo c'est danger que yo est danger fais attention avec moun ça yo pour pas prendre dans faux mamite. Donc nous dit Deutéronome 6 verset 6 et à cette Bible d'Arby, il dit « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc, on a dit que c'est Moïse qui t'a dit « Peuple Israël, la fin. » Eh bien, et l'apôtre Paul lui-même continue à renforcer bah, même Bagasao pour dire que ça m'a dit non là de doctrine Yeshua. Ça veut dire que c'est en continuité parce que nous songeons que Yeshua pas devine aboli, mais il devine accompli. Continuité, ça m'a baroua. Continuer. Nous disons qu'on pas devine aboli, il devine accompli. Mais toutefois, l'offre ne sert avec patron, modèle, radla. Le bouffin de compétition, pas besoin de modèle là encore. Qu'on a là, c'est fil avec aiguille au besoin. Donc ça veut dire que l'évangile christique là, Yeshua, c'est fil là, aiguille, la machine là, qui parle fin coup de radla. Patron, qu'on a là, il mette le côté parce que le fin coupé. Ça ne peut pas dire que patron pas utile, non. L'heure juste. Faut essayer de comprendre rentrer dans sauf bagarre là. Donc n'aime pas assumer là par exemple, c'est Paul hein. Je ne fais que répéter après Paul. C'est ça Paul dit. Donc il dit encore que et 1 Corinthiens chapitre 10 dans verset 23, il dit pêche, grâce et liberté, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais tout n'édifie pas. Donc ça veut dire que ça va à parler pour dire que tout bagarre permis mais tout bagarre pas édifié. Ça veut dire que nous là par exemple on fait des disputes oiseuses avec une série de monde pour capable prouver que s'il passait au concile de prépuce, ça veut dire retirer ça qui dans bagarre garçon le petit monde là et à l'âge de 8 jours que l'ordre que le débat Abraham non et loi abrahamique là que nous voulait faire comprendre judaïsme. Si on pas fait ça monde qui vient faire convertir monde ça va pas sauver. Donc il dit que bon moun yo sorti nan bagarre la loi kap di yo la loi du talion un pour un dent pour dent. Yeshua vin avec les béatitudes kounya la nous même quand nous vle kounya la moun a essayé ouais si ta capable rentrer dans doctrine El Shaddai clan et puis nous même nous vle pour faire moun yo reculer kounya la pour n'a miser nous sous bagarre la circoncision. Il dit non c'est pas juste bagarre ça yo c'est des bagarres qui étaient faites déjà c'est des disputes qui étaient déjà ouais joué déjà. Il dit Timothée pas qu'il tout prend dans bagage ça. Donc nous voit que et il t'a parlé de songer dans Marc 12:31 et l'amour du prochain, il dit c'est plus grand commandement ça, remet El Shaddai et puis remet prochain. Il dit essayer faire bagage ça pour ne pas prendre dans problème. Donc c'est ça que les mêmes Timothée et les mêmes l'apôtre Paul t'a essayé parler avec Timothée pour le faire Timothée comprendre ah Timothée m'a bon petit bagarre sous pas côté ça m'a dou là pour que j'aime bon parce que moun fa yo comme nous dit encore des chevronnés qui pral introduire dans des choses parce que le connaît que Timothée son petit monde lié mais toutefois il fait connaît que Saint-Esprit là pour guider ou quitter Saint-Esprit guider ou pas quitter l'autre monde guider ou pour pas prendre dans la perdition l'heure juste. Donc il était continué à parler avec eux encore avec Timothée encore il était parlé de la miséricorde divine quand il t'a dit que il rend grâce à El Shaddai le fait que El Shaddai lui-même
t'es fait moun sa grâce, il dit comme ça que depuis nous rencontrer avec blasphémateur, moun qui a persécuté des hommes violents, moun sa pas besoin de miséricorde, et que il dit encore et une parole que le connaît très bien, que ce que Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua lui-même, c'est lui-même qui était venu dans le monde là pour tout sauver tout le monde. Ça veut dire que le pas fait favoritisme et de personne, il est là pour capable accueillir tout le monde depuis ouvert cœur pour capable recevoir. Et il dit c'est lui-même qui roi des rois, c'est lui-même qui immortel invisible, c'est lui-même qui seul Dieu. Et tout honneur avec toute gloire, c'est revient à El Shaddai seul. Alléluia. Donc, il continue à recommander. Il dit, Timothée, petit moi, et moi, m'a parlé avec vous au sujet de prophétie que je débarrou déjà pour capable de combattre bon combat ça. Mais il faut capable mon esprit de conscience. Et il était profité à plomber non certains et Iméné et Alexandre que il était obligé de mettre dehors dans la congrégation parce que c'était blasphémateur. Enseigner mon fausse doctrine. Et il dit, ça veut dire faire attention, et il était livré de M. Sayo à Satan le diable. Nous dit, ça veut dire que Chéoménia dit ça, ça veut dire qu'il était mis dehors dans la congrégation. Donc c'est ça que le Tava a parlé avec, et avec Timothée pour ainsi dire. Donc il était continué encore à parler, il est dans le chapitre 2 dans 1 Timothée, il dit, il exhortait et tout bagage Sayo pour le capable de rester dans la prière, pour le capable de servir Mounio et de pont, et puis pour connaître que c'est Saint-Esprit capable médiateur. Et il dit Mounio consacré pour capable connaître que c'est Yeshua seulement qui est mort pour eux, c'est lui-même qui était chargé de tout problème que tu es capable de tomber là-dedans, parce que c'est lui-même qui est vrai Dieu. Et il était continué à parler encore, il dit que c'est pour rester dans la prière tout le temps, pour être capable de toujours être fidèle, et parce que c'est à travers la prière que vous êtes capable de jouer une satisfaction. Et donc, et il dit encore que la palais de attitude, mesdames, dans l'église, il dit que le tarim, attendez, oui, il dit je veux, en tout cas, 1 Timothée chapitre 2, verset 9, il dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse ni d'or. Je, mes amis, son engagement personnel. Engagement personnel. Et il a assumé, il dit, je veux. Et même Jean t'a dit comme ça que, l'autre a parlé, il dit comme ça que, et si on m'a marié, l'autre l'a couvert, l'autre a dit, je dis. Ça veut dire que lui pas dit que c'est Christ qui dit, il dit ça, il dit, je. Ça veut dire, un homme qui a parlé là, l'apôtre Paul, qui personnalise les bagages là, il dit, je, moi-même, je me moi, pronom personnel, je me moi, je Paul, dit. Ça veut dire que pour demander, pour nous être capable, simple, c'est pas l'Éternel a dit, l'apôtre Paul a dit, il dit je, pronom personnel, première personne, je, lui-même Paul qui dit ça. Ça veut dire que ou même comme qui le sel de la terre, faut qu'on façon pour pas attrister mon tout, pas ou nos congrégations côté son petit congrégation, nous pas gain, on va mettre bagarre identique pour pas faire mon chagrin. Bon, mon tout faut pas ambitieux tout non plus. Et contenter de son gain tout, comprendre tout bagarre sur la donne. On n'a pas laissé donner. Moun yo pas moun li même li veut faire col belle, il pas parler exagéré dans série de bagaille. Mais tout si moun veut faire petit beauté avec col, écoutez mes amis. C'est princesse nouye, écoutez. Et c'est ça tout qui capable bloquer en série de monde. Moun li même il était entre parenthèses à nourrir le monde là. Nous dit que bon, il est excentrique et puis lui même là, il pas venir dans l'église côté lui même, il est sorti d'un point A un point D tout de suite comme ça parce que toute bagarre c'est étape yo. Donc ça veut dire automatiquement qu'on dit mon commence à ba mon dans des barrières grand pile monde qui pas voulait rentrer pour ça. Donc ça bagarre c'est des bagarres graduelles. Paul dit je. Ça veut dire que il mandé nous tout le monde pour capable essayer pour être capable moins excentrique pour pas exagérer dans investimentaire ou dans calibre ça de façon à ce bagarre. Mais c'est pas El Shaddai qui dit je Paul je. OK? Il dit car la parler de car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Ça veut dire que c'est Dieu a toujours eu, je ne permets pas. Je toujours dans verset 12 ans. 1 Timothée 2 12. Je toujours je. Sous lui encore je. Et puis car a continué explication. Mais ouais donc on y car a continué. OK? Donc ça veut dire que bagayo mes amis et bagayo pas des fois c'est étude biblique m'a fait m'obliger souligner le m'obliger lire toute bagarre qui dans Bible parce que c'est étude biblique m'a fait moi pas pour la partie pour la balance Jean Barala est comme ça pour le dire parce que il dit pas retirer yota le bagarre la fait à faire nous et faut nous retirer yota mais l'ol pas faire nous pas nous ca retirer non c'est ça me saute li là me saute li le jeu c'est Paul qui dit c'est pas l'Éternel les armées qui dit c'est Paul jeu oui il dit faut pas faire partie de bagarre qui dans monde là ça c'est sûr bagarre qui dans monde là mais pendant ce temps m'a dit un petit bagarre et pas mettre ci pas mettre ça pas faire ci pas faire ça
mais moun ti ra doit mettre moun ki coud li an ki moun li est-ce qu'on connaît moun nan ki fait toile là mes amis faut nous pas exagérer dans bagay yo nous quittons ces de vieilles doctrines rentrer dans tête nous vinn faire nous pas ka manger ça pas ka boire ça pas ka habiller comme ça pas ka faire ci pas ka faire ça nous vinn tomber dans moment de la durée nous tellement concentrer nous sur l'habit sur bagay extérieur n'oubliez pas les comment Yeshua t'est mouru pour nous comment pour nous laver en dedans vaisseau qui en dedans qui c'est que nous et puis nous camper dehors seulement dehors rien fait pas lui il a fait introduction pour nous mais est le dedans on commence tout et parler du dedans l'heure juste et donc dans chapitre 3 il t'a parlé de responsable en l'église le monde responsable en l'église qui j'en pour un évêque t'a supposé y est il dit que c'est pour évêque irréprochable mari d'une seule femme est en charge sobre modéré pour pas boire trop pour le cas hospitalier bon pour mon dans hospitalier bon faut ta compte côté le rester on nous continuer pour pas l'enseignement il faut qu'il ne soit adonné au vin ni violent ni indulgent ni pacifique ni désintéressé tête chargée il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne des enfants dans la soumission dans une parfaite honnêteté tête chargée pas manque dit non pas assumer non anti lecture m'a fait là anti lecture il faut qu'il dirige bien sa maison. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Ça veut dire que ce n'est pas des versets qu'on connaît et puis il fait profession, mais pas vocation. Et pas moi-même, je dis non. Pour ne pas tomber sous le joug du diable, parce qu'il beaucoup fin de raciner, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut que l'on parle de lui. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans des pièges du diable. En Timothée 3, ou qu'a frappé comme ça, papa? Du verset 1 au verset 7, nous connaissons, nous parlons 8 ans, combien là? Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, mauvais comme, bien mal acquis, conservant le mystère de la foi et d'une conscience pure. Les femmes de même, bon, attendez, oui, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisante, sobre, fidèle en toutes choses. Bon, attendez, s'il parlait des femmes aussi, ça veut dire, il a parlé de diaconèse, mes amis. Même là, nous parlons encore que les femmes se taisent dans l'assemblée, diaconèse en parler, les gens ne parlent pas, le dit tout. Mes amis, nous disons encore que à Corinthe, c'est pour à Corinthe, il a parlé de ça, nous dit Corinthe, c'était un plat tournant de l'économie. C'est grand pile, monde qui dans demi-monde, des mondes qui ont fait qui a coupé chaises et tables et qui a coupé cabane des moun sa yo qui était là à prêter dans l'église avec des sons de habits pour capable venir séduire monsieur yo. Alors il dit là nous rivé la canon a mandé madame nous mari nous pour qui ça parce que le connaît monsieur madame sa yo c'est dans demi monde de te c'est moun qui t'a fait le tapis hein des tapinettes hein et vous comprenez des bûcherons hein, pour nous capable dire. Donc ça veut dire que cap couper bois des bûcherons hein c'est ça veut dire que demi monde c'est moun sa yo qui était là qui fait ça parler comme ça mais mettez dans le contexte parce que nous parler le parler de Lydie mes amis de Phébé de tout le monde sont avec lui il dit pas barré moi t'ai fait déjà dans l'autre vidéo on pas besoin faire redondance ça veut dire que est-ce que le bon bagarre avec une fille faites charger mes amis l'heure juste mes amis on ne pas faire l'évangile dans comme ça. On baba yo ti on libara yo parce que nous ouais que n'a vivre dans société patriarcale donc ça veut dire que nous pas ka faire dans l'église mais toutefois si ma ou berger est ce obligé berger tout pour l'autre l'église ta c'est bar qui regarde avec ma ou entendre nous parce que c'est pas moi même qui pour venir faire la loi parce que c'est là bar m'a pli là c'est pour nous entendre nous si nous c'est berger nous c'est nous là pour nous capable ouvrir les yeux monde nous pas capable servir de mauvais modèle pour monde et pas moi même qui dit non mais Paul là comme nous dit comme ça que c'est un évangile nous mais en paquet là dans nous mettons c'est ce dopé pédigraphe ça veut dire que c'est pas Paul qui écrit au vrai nous dit que bara Timothée parce qu'il y a trop de vérité mais en tout cas écoutez pourquoi pas donc et il parlait encore ministère de la piété comment pour capable il a exhorté encore dans et pas pour capable repousser la colère pour qui pour capable aller prêcher les nations. Dans chapitre 4 là dans 1 Timothée il dit que encore il dit dans dernier temps ça grand pile monde capable abandonner la foi pour attacher à des doctrines de séduction de à des esprits séducteurs.
barade mon cap parler pour capable parler de flétrissure dans leur propre conscience. Aïe aïe aïe, tête chargée, lui dit fais attention. Car tout ce que Echada a créé est bon et rien ne doit être jeté. Pas moi même cap dit là pour tout le sac dit pas vrai. Pseudo pédigraphe. Et bagarre il dit repousse les contes profanes de vieilles femmes. Bon, bagarre ça lui-même c'est 1 Timothée 4 dans 7 là, repousse les contes profanes de vieilles femmes. Moi même monsieur, mesdames nous même nous continuons nous parlons pile. Et nous parlons pile, nous radons en pile, c'est vrai, mais grand pile monsieur qui pile mal toujours. Ça c'est une réalité. Mais il dit que nous avons dans 2 Samuel 20 verset 13, un petit bagarre n'a un petit accentuage n'a fait dans bagarre. Là elle parle de mesdames yo qui peut parler bagarre nous elle arrive dans l'église conseil de anciens vétérans nous relé aux vétérettes et vétéranes yo toujours là pour dire moi même dans longtemps moi même depuis la guerre de Kako et parents de converti grand monte là grand même de là ceci cela là ou même comme ça m'a dit elle commencer à bailler des fables à Fontaine pour capable montrer que c'est occupé et puis on nous continue et c'est de bail ça et par exemple dans 2 Samuel chapitre 20 verset 18 nous songer elle a parlé de fables et vieilles femmes attachées aux doctrines nous songer que tes grandes femmes qui te paraît on avait dit des légalistes une femme qui te paraît qui fait femme n'était dit comme ça que on grandette elle te paraît avec la parle avec Joab. Les Joab te gen problème avec Sheba fils de Bikri qui te a bal problème et puis il t'a marché pour la descendre et dans zone pour la craser bagarre pour la marcher prendre Bikri et puis une femme te paraît et femme nan te dit dans 2 Samuel 28 femme nan dit Joab comme ça pour qu'il soit venir mettre parole là problème dans zone nan comme ça qui mon nous besoin il dit pas gen problème avec personne non madame voyez Bikri vini et voyez Sheba fils de Bikri vini et puis nous pas gen problème. Et puis il dit Joab comme ça. Autrefois, on avait l'impression de dire on va consulter Abel et tout est réglé. Ça veut dire que nous songeons que c'est Abel Caïn qui t'a tué Abel, ça veut dire que c'est dernier monde Caïn et Abel t'a ouais c'est Abel et Caïn puisque c'est lui qui t'a tué. Alors il a une propre expression lui même velle la grandette, il dit que ça doit ça des deux gens de mesdames ça les grand-maman. Qui vini dans l'église qui a pas problème et puis qu'on est là et berger ou mettre en bazel yo avec toute l'autre diacre pour capable bagarre c'est de monde qui a craser l'église moi même avec vous et chada mandé nous pour nous quitter péché parce que l'elle vini yo pral di nous dehors les chiens nous mettre fâché mon papa assumer m'a à travers ça m'a pli là moi dit c'est grand c'est monde ça dans 2 Samuel 20 17 à 20 femme ça on avait l'expression de dire on va consulter Abel et puis tout est réglé des monde qui pourraient dire laguer ça dans même pour me régler ça ces femmes ça yo leur juste et puis donc dans chapitre 5 là tête chargée il dit veille sur toi-même il demande Timothée veille tout en éveille tout fais attention avec vous parce que gain vétéran ça vétérat des les vieux rats. Il dit encore dans chapitre 5 là il dit ne reprimande pas rudement les vieillards. Exhorte-les. Et puis il dit honore les veuves qui sont véritablement veuves. Mais quoi dire? 1 Timothée 5 verset 3. Il dit honorer veuves là qui vraiment veuves. Ça veut dire que des monde qui pas manger à côté. De monde qui pas manger bonbon sous côté qui pas il dit il pas parler de vieux rats. Monan il parler de monde qui vraiment veuves. Et pas moi même qui dit non papa, pas pas sûr mais youn nan ça me dit là. L'heure juste pas fait c'est li m'appli là noir sur blanc. Il dit honore 1 Timothée 5, verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Mes amis, pas même qui dit le nom. 1 Timothée 5. Lis tout chapitre là, ouais. Il dit encore. C'est chargé, mes amis. Il dit, mon qui t'es femme, des femmes qui. Il dit éviter la volupté. Il dit éviter oisiveté pour pas dépendre de monde. Pour Satan, pas prendre avantage du coup. Il dit prêcher selon la droiture. Il dit encore, mais bagarre encore. 1 Timothée 5. Il dit pas courir mettre main sur monde, sous tête monde. Et de ne rien, il dit ne doit rien à personne. Et puis et pas précipiter pour capable mettre main sous tête personne pour pécher moun pas vinn sous tête tout. À moi même qui dit le non. Parce que nous songe sacrificateur te kon poser main sous bouk yo
pour capable expirer péché puis péché moun yo te kon transmettre sou bouk yo ça veut dire que pour pas le prendre à dit pour moun et puis tout pour pas le bail moun a dit pour tout l'a poser main sous tête moun c'est pas même qui dit non 1 Timothée 5 verset 21 à 22 et puis qu'on a t'a conseiller monsieur encore dans verset 23 pour capable bon petit vin parce que il a des problèmes l'estomac. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Dans chapitre 600, il parlait que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme bagage. C'est là. Il paraît encore, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saines et paroles, bah, comme ça, tout le monde s'anathème, il dit comme ça que, et maladie, question oiseuse, dispute, bah, de mots, éviter bagage ça yo. Il dit, monde qui voulait enrichir, il dit, c'est chargé. 1 Timothée chapitre 6, dans verset 9. Il dit, verset 6, il dit, c'est là en effet une grande source de gain pour la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'apporterons rien. Moun kap prêcher, kap fait profession de servir Dieu, kap prend kob, nan men moun bien mal acquis, il dit, moun sa yo papa la kanyen, baka get de gain pernicieux. Pas moi même qui dit, papa se met yungri. Il dit, fais attention, écoutez la pro, commande aux riches tout, de présent siècle, pour pas orgueilleux. Parce que Lydie Espérance parle lui-même, c'est dans El Shaddai lié. Et puis Lydie Timothée, gardez des pour tout ça, et puis évitez 20 discours, évitez bagage science, et puis Lydie, évitez moun, verset, chapitre 6, verset 21, dernier verset, Lydie, évitez des disputes et fausses doctrines science, dont les gens font profession. Il y en a qui font profession de servir Dieu pour ne pas détourner mon dans la foi. Profession. Gen vocation profession mon cap fait pour l'argent dollar et puis mon vocation mon cap fait parce que Yeshua d'arrive l'heure juste on pas pense endosser une qu'on a deuxième chapitre là on a parlé encore la adressé là avec lui encore les dit Timothée m'a exhorté encore affectueusement pour capable bon bonne conscience qu'on a commencé parler et il dit comme ça que et toi qui habita d'abord dans ton aïeul, Eloïse, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en Troie. Bah, on s'en a parlé avec conseil de monde, on parle de monde qui te fait du bien. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don. Ça veut dire don, gain en rouen, et continuer, ça va avec. Et puis, il continue à parler encore. Il dit, rester ferme malgré preuve, yo, parce que l'épreuve est en pile. Parce que avant Yeshua, il dit qu'on a une tribulation dans le monde. Ça veut dire que le pape a mangé, le pape a grand goût, on a des dollars, mariage. Il dit non. Bon, lui-même, il dit qu'il a subi tout le bagage. Ça, écoutez. Il dit encore, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Figel et Hermogène. Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison d'Onisphore. Ça veut dire que c'est des gens qui ont abandonné, et puis Onisphore, là, lui-même, c'est campé avec. Donc, ça parlait un paquet de gens qui quittaient la foi, qui viennent attacher à fausse doctrine, des gens qui ont planqué dans l'affaire de la science, et qui ont coûté philosophie, qui ont coûté bagaille, qui ont fait profession de servir El Shaddai, et puis qui n'ont pas une vocation. Et dans chapitre 2, dans le deuxième livre de Timothée, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce que Yeshua Jésus-Christ. Pour capable enseigner à l'autre monde. Souffre avec moi comme un bon soldat. Parce qu'il connaît que vie christique n'est pas facile. Il faut renoncer à une série de bagages. Il faut renoncer à vous-même. Ça veut dire que mon cap humilié, mon cap de mauvaises paroles. Et toute qualité de bagages, il dit. Ben, c'est comme si ou pas vivre pour mon encore, c'est pour Christ soit vivre, donc ou décharné, comme si ou obligé vivre, faut manger, faut boire, faut gagner, faut gagner autour, mais pas quitter ou faire un bagage dans ou même pour capable humilier l'autre, l'humilité, c'est ça que l'a parlé. Et il parlait aussi de la corruption morale qu'a pris au dernier temps. Il dit qu'on ça au dernier temps, moun et après un pile temps difficile, moun yo après mais l'argent, ça fait 2 Timothée 3. Mon cap égoïste, ami de l'argent, fanfaron, mon cap passé mon bêtise, tout ça, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Ça nous a besoin, nous a parlé de mon dehors. Problème n'a commencé depuis en dedans. Côté, je me dis, c'est un petit chèvre, si tu as déjà depuis en dedans.
Donc ça veut dire que c'est ça qui fait nous une difficulté mais les mon n'a relé de monde dehors parce que monde dehors open nous pour qui ça parce que n'a bloqué porte celle là à monde qui voulait rentrer. Leur juste c'est ça qu'il t'a expliqué Timothée ça qui pas arrivé. Et puis l'apostasie qui rentrait qui côté dans l'église. La parler de bagage généalogie fab des mangeaisons. Oui, bagaille mon capé pagaille comme si après c'est pas moi qui puis bon pas moi qui puis bon et puis le vrai église c'est visiter les orphelins les malades tout le monde bah ça est-ce qu'on fait le même avec vous c'est ça et je vois t'es demandé dans Matthieu 24 et puis nous comme ah, l'église ça pas bon et puis nous en principe nous tout pas bon et au lieu pour nous et pour nous prêcher l'évangile de Christ qui c'est Yeshua et puis c'est doctrine leur juste c'est bah ça va parler de généalogie de femme et pas moi même qui dit là dans chapitre 4 dans 2 Timothée 4 je t'en conjure devant Dieu devant Shaddai qui doit juger les vivants et les morts. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Ça veut dire pas... On parle de Christ, Christ est mort pour Christ vivant. Moi, avec vous, on ne pas fait péché. Pas parler de mon des religions. Il n'est pas venu chercher une religion, il est venu chercher des mondes parce qu'il dit qu'il y a plusieurs mondes dans plusieurs demeures. Alors, et sataniste qui peut repentir, ça va faire avec vous. Et pourtant, il écrit dans le livre de vie. Moi, avec vous, on ne pas tarder nous sur cette histoire de religion. On cherche Christ dans le monde. On bat mon nom Christ. On dit mon nom Yeshua Bini, l'absolve. Suspendre parler des bagages. Parce que pour parler de ça, on a couru, vous ne pas en tout cas, m'bab dit qu'on calme c'est dit la religion c'est l'opium du peuple, m'bab dit bah comme ça hein. Et pas c'est pas droit pour me dire mais en tout cas on cherche Christ premièrement avant de chercher religion parce que nous parler de religion trop et puis qu'il en a parlé de Yeshua même. Le rencontre dans la rue a prêché quand on dit on va vous poser question comment c'est jouer et puis là on dit comme ça bon c'est chrétien moi et tout. Soit dit comme ça bon et recourir. Là juste. Donc les fin parler, il dit que toute bagarre ça, yo pit mon commando yo et puis il dit salut Prisca pour moi Aquilas, la famille de donné si fort et ras, la salut tout le monde qui te fait du bien et puis après ça il dit que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. L'heure juste, mon pape assumé. Un, m'a pas assumé. Aïe. On fait coup de pied avec deux, trois terriens. Abou Farel dit, fais toujours en sorte que celui qui te voit respecte celui qui t'a éduqué. C'est ça que Paul t'a voulu faire Timothée comprendre. Que les ouels sont capables de respecter les gens qui t'a l'éducation spirituelle, qui c'est l'apôtre Paul lui-même. Ça, c'est Abou Farel qui dit, fais toujours en sorte que celui qui te voit respecte celui qui t'a éduqué. Et comment ça veut dire que tout en nous tournant exemple pour Christ Yeshua qui se met nous tout devant l'autre monde qui a regardé pour ne pas bloquer porte là. Fais toujours en sorte que celui qui te voit respecte celui qui t'a éduqué, même avec vous qui a pris les têtes nous chrétiens, disciples de Christ, c'est Christ qui éduque nous, pas vrai? À travers qui ça, la Bible qui boussole nous, même si on dit que la Bible pas parole là, pas parole de Dieu, nous dit gagner parole et Shaddai dans la Bible là, l'heure juste. On va continuer toujours là, gagner en pile toujours. On dit que la vie pas facile. Donc, on ne peut pas tuer. Parce que, ouais, ça le dit, on pas être parricide. Ça veut dire qu'on peut tuer propre nous-mêmes encore. En tout cas, tout groupe humain, ça c'est Françoise Dolto dit, tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun. L'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Moi, avec vous, nous avons observé Shaddai, mais nous avons opinion tout des fois, nous avons différence, nous. Mais en nous, nous supportons l'autre. C'est ça, la communication et l'entraide. Ça veut dire côté me faible là, moi-même remonter, côté faible là, moi-même remonter, l'heure juste. Nous voyons que sur terre, c'est ça, Homer dit. Il dit sur terre, il n'y a rien de plus faible que l'homme. L'homme, son bas qui faible. Ça veut dire qu'au moment qu'il était en vague conduite, ça c'est Homer qui dit, pas moi-même, même pas assumé une. Mais nous voyons Saint-François de Sales encore qui dit là où il y a de l'homme, oui, mais cet esprit est là. Avant Yeshua, allez, il était quitté pour nous. Côté encore, Homer a campé encore. Il dit, le sommeil est le frère jumeau de la mort. Depuis notre dodo, nous pas réveillé pour nous capables de quitter cet esprit, faire route avec nous. Eh bien, nous tous mourir des morts vivants. C'est ça que l'apôtre Paul t'a dit, des morts vivants.
et au mais a parlé de mort vivant. Donc il t'a parlé encore l'apôtre Paul de combat pour Timothée capable de continuer combattre. Qui ça Omer a dit encore? Il dit du combat seuls les lâches s'écartent, les gain combat seuls lâches yo a écarté yo leur juste. Donc qui ça Emmanuel Kant dit? Il n'est besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce qu'on a à faire pour être honnête et bon, même sage et vertueux. Emmanuel Kant dit, il n'est besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce qu'on a à faire. Pour être honnête et bon, même sage et vertueux. Il dit, vous n'avez pas besoin ni de science ni de philosophie pour connaître qui ça pour faire, pour capable paraître bien. Pour capable paraître bien. Mes amis, c'était chargé. Oui, de Timothée 3, 1 à 5. Au dernier temps, moun yo pral ingrat, ami de l'argent fanfaron, hautain, rebelle. Eh bien, on pas essayer rentrer dans scandale et dans logique moun sa yo. On nous fait la différence. 1 Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse parce que Timothée était jeune, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. 1 Timothée 4, verset 12, c'est comme ça m'a fini. Que personne pas mépriser jeunesse ou parce que Timothée était jeune, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Shalom. On prie. Rédempteur adorable Shaddai, dans un moment, ça me remercie infiniment pour grâce. Merci pour soyez. Merci pour ça, continuer. Dans moment ça merci pour belle parole ça pour belle instruction ça ou quitter pour nous mandons pour capable déraciner toute mauvaise herbe qui dans la vie nous Seigneur nous voulons suivre vous nous voulons faire la différence nous pas voulons bloquer porte là monde qui veut rentrer et nous pas voulons bloquer ou qui veut venir parce que c'est tout problème nous péché nous qui bloqué au fort pour qu'on venir nous mandons circoncis cœur nous c'est pas circoncision extérieure là seulement mais cœur fait nous capable marcher selon volonté ou selon ça voulait pour nous, papa. Aidez-nous, gardez-nous, protégez-nous. Moi, pour vous, ça, c'est pas parce que je suis bon et digne. Mais c'est pas mes petits tout Yeshua qui vitrerait dans tous les siècles des siècles. Amen, amen. Je vous aime. Ciao, shalom, shalom. Ciao, ciao.